Pierre Blériot-Niemec, évoluant au niveau du débat, quand nous prenons le cas du continent africain, le cas de la polygamie peut être une bonne ou alors une mauvaise option. Parfait, ici, quand moi je parle de polygamie, je ne parle pas de texte. Il y a beaucoup de personnes qui m'approchent, il y a même un papa qui m'a dit dernièrement, ouvre-nous une école de cette affaire. Parce qu'il y a beaucoup de... Tu seras le principal formateur. Il y a beaucoup de formateurs, il y a beaucoup de confusion. Je l'ai dit ici, la polygamie n'a pas forcément trait au sexe. C'est-à-dire qu'il faut commencer à enlever ce genre de choses. J'aime trop le sexe, donc il me faut plusieurs femmes. Non. Vraiment, une seule femme peut vous faire l'amour autant de fois que vous. Elle vous dépasse même. Voilà. Donc, vraiment, il faut lever l'équivoque. Ce n'est pas le sexe. Madame Jeanne Vondor, qui me connaît un peu, mais Basson et vous plus encore, vous savez comment j'organise cette affaire. Vous parlez depuis un certain temps de l'entreprise d'une des madames Niemec. Tout à fait. Inès Niemec gère des structures particulières. Elle a une fonction particulière. La polygamie est une source de richesse pour qui sait l'organiser. De richesse. Je dis de richesse. Contrairement à ce que j'entends dire là quand tu... Non. Les femmes sont des facteurs économiques. Oui. Il ne faut pas penser. Il n'y a pas que le... aller dans la chambre commencer à bouger. Non. Non. On va sauter comme un mouton. Les femmes sont des pôles économiques. Et à qui vous allez confier les choses les plus importantes, si ce n'est pas des gens qui ont des liens particuliers avec vous? Moi, je parle là de l'Afrique traditionnelle. Quand vous êtes marié à une femme, vous pouvez lui confier la gestion de vos terres, de votre argent, de votre patrimoine. Tant qu'elle sait qu'elle a intérêt à ce que ça marche, elle surveille mieux que si vous preniez même un gars sorti des écoles de formation de ci ou de ça. Maintenant, il y a un minimum de formation, il y a ça. Il y a un deuxième aspect. Parce qu'il y a le besoin inscrit chez l'homme et même chez les femmes de la diversité, il ne faut pas comprendre la polygamie comme le fait d'une femme qui viendrait combler les manquements d'une autre femme. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais il faut leur donner des fonctionnalités différentes. Elles doivent avoir, et il faut les choisir en fonction de ces fonctionnalités. Troisième chose sur la polygamie. La polygamie en Afrique nous permet à nous de lutter contre deux fléaux qui sont en train de nous attaquer. Déjà, la déperdition des familles. Les chiffres sont exacts. Mais tous les hommes ne sont même pas disposés à se marier. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas supporter une seule femme. D'autres sont même des hommes. C'est ici et moi qui devons venir supporter les femmes qu'eux ne peuvent pas supporter. Donc, il y en a qui... Maintenant, il y a un autre phénomène qui est en train de nous attaquer. N'ayons pas peur. Ouais. L'homosexualité. Ouais. Vous voyez comment nos hommes sont en train de devenir des femmes. Il y a ces enfants qui sont abandonnés parce que la plupart des monogames, parfait ici, ont des enfants hors mariage. La plupart des monogames ont des enfants avec des femmes. Et ces enfants-là ne jouissent pas de la présence paternelle. Pourquoi? Parce que le père a même peur de dire qu'il a des enfants. Quand il veut, je connais un ami, quand il veut parler à ses enfants, il va dans la douche, il s'enferme, il bloque. Allô? Oui. L'enfant s'appelle Mélissa. Mélissa? Non. Tous les enfants ont besoin de la structure familiale. Il faut leur expliquer. Papa ne peut pas être... Ça, c'est le cas. Papa ne peut pas être là tous les jours. Papa est ici de vendredi à dimanche. Papa est ici de... Votre père est le père de tel aussi. Le père de tel. Les enfants peuvent comprendre ça. Mais qu'ils comprennent qu'eux n'ont pas de père. Ou qu'ils ne peuvent voir leur père que comme on voit Niemec à la télé. Non. Il faut donc assumer ces choses-là. Il faut entériner ces choix-là. Les femmes ont un problème spécifique avec la polygamie. Il faut bien le retenir. Oui, c'est lequel? C'est le matériel. Ah bon? Oui. C'est-à-dire quoi? Puisque la femme est capable de te dire, tu m'épouses seule, tu as les copines. Donc, ce n'est pas ton sexe qui l'intéresse. Va faire l'amour. Mais ce qui l'intéresse... C'est qu'il ne faut pas que les autres femmes aient des droits sur tes biens. Voilà ce qui préoccupe les femmes. Et vous, les hommes, ne tombez pas dans le piège de ce qui préoccupe les femmes. Ça, c'est leurs intérêts. Chaque fois que tu causes avec une femme qui dit aimer la monogamie, dans la, si tu meurs, comme vous ne mourrez pas, heureusement, si tu meurs maintenant, les autres femmes, les conflits entre les enfants et autres, entre les femmes, sont le fait d'un polygame qui n'a pas le charisme suffisant pour gérer. C'est comme une entreprise. C'est pas tout le monde qui peut être DG, papa, ici. C'est clair.
On te met DG d'une société, d'une structure comme Info TV. Tous les sorciers qui assistent chacun dans son domaine. Après deux semaines, on nous annonce que tu es mort. Donc, il ne faut pas accepter les postes d'appel. Ce n'est pas facile d'être DG ou PDG. Si tu es PDG, toutes les filles veulent qu'on entende que le PDG l'a salué. Il faut être bien. Si tu... Alors, la polygamie demande d'être un homme. Parce qu'il y en a qui te baladent à Missondo, chez les Bassas, allez, il y en a qui vont à Loro, chez les Bafia, ainsi de suite, avec tout ton ventre. Il faut être prêt et il faut enseigner des valeurs à tes enfants quand tu es polygame. Très ces bien. Valeurs on va chuter. Sont des valeurs de famille et le père doit avoir le charisme. Je chute en disant, le polygame ne raconte pas à l'une de ses femmes dans la nuit que tu es la plus aimée. Le bon polygame n'en parle pas. Il est comme le père d'enfant. S'il y a un enfant qui... captive particulièrement ton attention. Toi, tu le sais. Mais à le lui dire, tu suscites un conflit que tu ne pourras plus contrôler. On peut même facilement le tuer. Bien sûr. Il y a donc de faux polygames. Quand il est dehors avec Ginette, il dit, toi, vraiment, quand je parle de toi, c'est... Non, tais-toi. Fais ce que tu as fait. Bernardo Obasson, la polygamie a été et continue à être un véritable sujet de débat. Au niveau des sociétés, hein. Même du côté de l'Occident, on a quand même de temps en temps lancé ces débats là-bas. Mais ce qui m'écœure un peu, pour le cas africain, on a l'impression que la majorité d'hommes, avec petit h, sont des polygames cachés, des polygames voilés. Il a sa femme, normalement il est marié, il est officiellement monogame, mais il a deux, trois maîtresses dehors, avec des enfants, mais ils se cachent. Alors, comment vous interprétez une telle hypocrisie? La société, malheureusement, construit progressivement des hommes hypocrites. Je ne sais pas si la majorité d'hommes sont polygames, mais je pense qu'il y a beaucoup qui ne le sont pas. La différence qu'il y a entre la polygamie non assumée et l'action avec les maîtresses, c'est que une maîtresse, vous pouvez juste vous voir pour des questions de sexe. Tandis qu'une femme a beaucoup plus d'obligations qui pèsent sur vous que vous devez satisfaire. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont juste des maîtresses, qu'ils voient une fois tous les deux, trois mois juste pour le sexe, parce que deux minutes ensemble. Or, si vous avez d'autres foyers dehors, c'est différent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des foyers dehors, mais beaucoup également qui n'ont que des maîtresses, avec qui n'ont juste que des moments de plaisir. C'est très différent. La femme demande beaucoup plus de charges. Mais mon regard est dual, bien sûr, objectif et subjectif. Subjectivement, je suis totalement pour la polygamie. Parfait ici. Et vous allez comprendre que, en tant que bonbon, je ne peux être que pour la polygamie. Je m'explique. Les femmes dans votre foyer, en principe, ont des rôles très différents. Vous avez une femme qui est beaucoup plus féconde. Elle, quand vous l'épousez, vous savez qu'elle vous fera les enfants pour faire perdurer votre lignée, votre nom. Il y a une qui est source de grâce. Elle a beaucoup de chance. Quand vous allez avec elle, vos affaires se débloquent systématiquement. Vous l'épousez pour cela. Une autre encore est très puissante et productive. Ça veut dire qu'elle peut travailler pour toutes celles-là mélangées et même pour vous. Vous l'épousez parce que c'est elle peut-être qui va s'occuper des enfants de la première et des affaires de la deuxième. Là, je m'arrête pour ceux qui veulent avoir trois femmes. Partant de là, il n'est pas question de voir, comme certains disaient, juste une affaire de libido. C'est une affaire d'organisation mentale dans laquelle le leader social doit savoir que chacune des femmes construit quelque chose pour son empire. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Est-ce qu'elles ont évolué? Non. Mais est-ce qu'elles ont changé? Oui. Je m'explique. Vous pouvez avoir la chance, je sais de quoi je parle, de tomber sur une femme, parfait ici, qui vous aime profondément. Et qui vous aime même sans tenir compte de votre matériel. Ça existe encore. C'est minoritaire, c'est vrai, mais ça existe. Sauf que, lorsque vous prenez une deuxième femme, le système change en ceci que la première diminue l'amour qu'elle avait pour vous et augmente le calcul. Les deux désormais viennent, elles calculent et celle qui venait pour l'amour n'est plus là pour l'amour. Ça, c'est le constat social que j'ai observé. Quand vous aviez une, elle pouvait vous aimer. Quand vous prenez la seconde, les deux se mettent à calculer. Comment ça? Oui. Et là, elle vous aime plus? L'amour diminue profondément. Cela signifie que ce n'était pas le vrai amour? Non, cela signifie qu'elle considère que vous, puisque vous voulez également profiter, elle pense également à profiter d'une autre manière de vous.
C'est comme ça que les femmes, elles pensent. Il faut également noter, je partage l'avis de quelqu'un, les femmes n'ont pas un souci de polygamie, elles ont un souci d'argent. Ça, c'est clair. Ça veut dire que M. Amogobelin a eu 3 femmes, tout le monde l'a vu. Parce qu'il a beaucoup de moyens. On a dit, c'est là qu'ils ont 2 femmes. Parce qu'ils ont des moyens. Donc les femmes, vous pouvez prendre 3-4 femmes. Si vous êtes milliardaire, si aujourd'hui Samuel Eto'o, quand il avait encore plein d'argent, décidait d'épouser 5 femmes, il aurait épousé 5 femmes. Aucune n'aurait voulu. Il n'en a plus. Et certes, je ne suis pas dans ses poches. Mais pourquoi vous dites dans l'ordre quand il a fait ça? Parce qu'il ne travaille plus. Non, il ne travaille plus comment? Bon, il n'est plus en activité. Comme, il gagne moins que du temps où il était en cache-cale. Donc, ce qui est, c'est qu'il a beaucoup de moyens à présent, je pense beaucoup moins qu'avant. Qu'est-ce que je veux dire? À l'époque, parfait, ici, il épousait 5 femmes. Sur Facebook, vous auriez lu même prière. Très peu respecteraient. Que non, c'est un polygame, macho et tout ça. Bon, beaucoup diraient ces filles sont chanceuses. Vous voyez. Donc, clairement, la vérité est que parfait, ici, aujourd'hui, je ne conseillerais pas à un homme d'être tout de suite polygame. Déjà, même à l'époque, ce n'est pas pour tous les hommes la polygamie. Ah bon? Non. C'est pas pour tous les hommes. Pourquoi? Il y en a qui n'ont pas la force de supporter la polygamie parfaite ici. Est-ce qu'il faut soulever les charges? Il faut une force mentale incroyable. Ah, d'accord. Il faut une. C'est-à-dire, parce que le mariage, c'est la gestion des émotions à 95%. Mmh. Et la gestion de la finance. Quelqu'un m'a dit que quand tu épouses une femme, tu épouses un esprit. Mmh. Quand tu épouses 5 femmes, c'est 5 esprits. Voilà. Que tu dois gérer. Ma propre fille. Et y compris les mauvais esprits. Ma propre fille fait une comédie. Papa, ici, ma propre fille fait une comédie sur la polygamie. Mm. Elle dit que papa, quand tu as une femme, elle te casse la tête. Quand tu as. Elle te casse la tête ou les pieds. Mm. Elle me dit, quand tu as 2 femmes, pendant qu'une te casse la tête, l'autre te casse les pieds. Quand tu as 5 femmes, elle te casse quoi? Tout le corps. Elle te casse le corps. Les hommes encore. Sortir, disons aux hommes que le principe, c'est la polygamie. Et comme vous ne vous sentez pas bien, il faut laisser. Ou même vous restez seul. Professeur Claude Nobissier, la polygamie, comme le relevait tout à l'heure Jeanne, beaucoup estiment que lorsque vous avez choisi d'être polygame, vous êtes allé acheter vous-même la sorcellerie pour installer dans votre maison. C'est vrai? Je pense que ça va dépendre de la capacité à gérer. Parce que je prends juste un exemple que tout le monde peut vérifier. Mmh. Quand vous avez des enfants, et peut-être votre femme vient de donner naissance à un autre enfant, oui. Quand l'enfant arrive, il faut observer l'avant-dernier. Parce que l'objet affectif, on a du mal à le partager. Il faut observer. Vous allez rendre compte que l'avant-dernier, si vous êtes vraiment un bon observateur, mmh. Il va développer des manifestations de jalousie. Mmh. Et parfois, ça va s'amplifier. Et selon pourquoi, jusqu'au voilà. Et après, ça va également s'amplifier au niveau du complexe d'Oedipe, où ça devient plus fort. On peut dire que le partage de l'objet d'amour, quelle que soit la culture d'appartenance, c'est très très difficile à partager. Et quand l'enfant va apprendre même que c'est son petit frère, il va l'aimer en tant que petit frère, mais il ne va pas supporter le partager. Il faut comprendre un peu la nuance parce que il va aimer son petit frère, mais n'acceptera pas partager son père vous avec voulez son dire petit frère. Quoi? Lorsqu'on est polygame, vos femmes ne vous aiment pas ou bien toi tu n'aimes pas vos femmes. L'idée que je peux avoir de la polygamie et de mon analyse, c'est quoi? C'est que l'objet d'amour doit être accaparé. C'est donc pourquoi les femmes qui sont polygames, chacune se bat pour avoir l'objet d'amour à son niveau. Et c'est pourquoi ça peut avoir cette divergence d'activité qu'on peut avoir, tout à l'heure, M. Bleureau le relevait de manière comique, où on peut avoir un ventre qui est trop plein parce que chacune a besoin d'avoir la suprématie affective sur son mari, savoir que je suis plus aimé, qu'on le veut ou pas. Quel que soit l'ordre et la capacité d'injection. Bon, pour dire ceci simplement, si vous n'avez pas, les capacités, n'entrez pas dans un débat qui va nuire à votre santé mentale. Parce que, qu'on le veuille ou pas, si vous n'avez pas la capacité, n'entrez pas. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'injection des femmes, c'est une injection très très compliquée. Pourquoi? Parce que la femme a ceci de particulier, c'est qu'elle supporte beaucoup. Mais quand elles veulent sortir de leur gant, c'est qu'elles font, ça va dans tous les sens. Bon, il faut avoir une très grande capacité d'organisation pour pouvoir supporter la polygamie. Alors, si on les a pas, il ne faut même pas tenter. Et pareil pour les femmes également. Mais de nos jours, le constat qu'on fait, c'est que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, nous sommes tous dans une posture où
même quand on est femme mariée ou marié, on a toujours tendance à aller voir dehors parce que c'est le contexte qui accorde malheureusement cette prédisposition. Jeanne Vandor-Blériot a estimé tout à l'heure que la polygamie était une source de richesse, contrairement à ce que les gens pensent. Vous y croyez? J'y crois. J'y crois parce que quand vous avez peut-être deux ou trois femmes et des femmes d'une même catégorie, des femmes réfléchies, ces femmes-là peuvent vraiment vous aider à évoluer. Mais du coup, si vous allez vous acharner sur des femmes d'une catégorie qui ne puissent rien vous apporter, vous avez vous-même creusé votre propre tombe et la laissé à terre ouverte. Est-ce qu'une femme peut être dans un mariage polygamique et vivre, un, le parfait amour, deux, le bonheur? Je ne pense pas. Et pourquoi? Je pense pas. Une femme dans un foyer polygamique ne peut pas vivre le parfait amour. Elle fera semblant. Ah bon? D'aimer. Elle fera semblant d'aimer. Et du coup, la plupart de ces femmes-là ont toujours une polyandrie déguisée. Ah bon? Oui. Donc, les femmes qui sont dans un régime polygamique trompent leur mari. Elles trompent leur mari. Elles ont toujours quelqu'un. Pourquoi vous le dites avec autant d'insistance? Moi, j'ai posé avec des mamans. Pardon. Les femmes dans les foyers polygamiques ne trompent pas leur mari. Vous savez combien de femmes mariées monogamiques? Je dis mariées monogamiques, hein, pas polygamiques. Je te dis, je parle d'une expérience, quelque chose que j'ai vécu. Une femme qui était dans un foyer polygamique, qui disait ceci, mon mari ne me satisfait pas au lit, mon mari ne me donne pas l'argent, mon ami, mon mari ne me fait pas ceci. Jeanne Vandor, je vous arrache un peu la parole. Ce que vous dites là, effectivement, ça se passe. Si un homme ne peut pas satisfaire une femme, et qu'il en met cinq, c'est sûr qu'il ne peut pas satisfaire les cinq. Il les dérange, donc il leur met du temps. Si j'ai dit que le sexe ne servait, n'était pas le socle, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des hommes monogames qui n'ont jamais satisfait leur unique femme? Non, ça je le sais. Ils sont même les plus nombreux. Ça je le sais. Si ce n'est que c'est... Non, si la femme va vous tromper, qu'elle soit seule ou qu'elle soit plusieurs, elle va vous tromper. Là, ça, c'est... Maintenant, une femme fidèle n'a rien à voir. Elle accepte ou elle refuse. Quand elle a accepté, elle a accepté. Blériot, est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes fidèles? Oui, il y en a. Il y en a, bien sûr. Bien sûr. Mes épouses sont fidèles. Je ne l'ai pas tiré. Oui, je dis que... Je ne l'ai pas tiré dessus. Non, moi, je dis directement qu'il y a des femmes fidèles. Non, elles le sont. Est-ce qu'il y a des femmes fidèles? Elles ont de bonnes raisons de l'être. Très bien. Là, tu ajoutes. Quand je disais parfait, je dis ceci. Dans un couple polygame, je ne pense pas que les femmes soient automatiquement satisfaites. Toutes les femmes ne sont pas satisfaites. Parce que on vous a répondu. On vous a dit que même dans les couples monogames, oui. Les femmes même ne sont pas satisfaites. Elles ne sont pas satisfaites pourquoi? Donc la satisfaction est un autre débat. C'est un autre débat. Mais tu me coupes la parole. Non, je dis un homme polygame qui a des capacités au niveau des quatre murs, oui, va arriver à satisfaire toutes ses épouses. Oui. Maintenant, un homme monogame qui n'a pas de capacité, même si on lui donne une défi, il ne fera rien. Permettez-moi de couper encore. Permettez-moi. Non, le fait c'est que vous voulez vous blanchir. Le but du rapport sexuel avec la femme, c'est que la femme éjacule aussi d'abord. Ah bon? Et ça peut se faire en deux minutes comme en une heure. Ah bon? Si tu as trois femmes et que tu sais que si je cogne ici, l'eau sort du mur, qu'est-ce qu'elle va aller chercher dehors sur le plan sexuel? Est-ce que les femmes vont seulement dehors pour le plan sexuel? Commence par cela. Nous avons même également des femmes qui sont bel et bien satisfaites par leur mari, par leur mari, mais qui vont dehors. Comme un homme, qui vont dehors, c'est les femmes qui ne peuvent même pas les satisfaire. Quand tu vois le type avec qui me donne mon état, il peut satisfaire qui.